Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de ma carrière sur AEW Fight Forever. J'espère que les deux premiers épisodes vous ont plu. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que au niveau des entraînements, c'est souvent les mêmes entraînements suivant ce que vous choisissez, etc. Donc à partir de maintenant, il y aura pas mal de coupures durant cette carrière. S'il y a des choses qu'on a déjà fait, ça sera coupé. Si c'est des choses qui sont nouvelles, la nourriture par exemple, eh bien, je vous le proposerai avec grand plaisir. Je compte sur vous pour laisser votre petit like. Et puis, quelque chose que j'ai vérifié, c'était où? C'était ici. Attends, non, c'était pas ici. C'était, si, Satisfactory Catcher, vous savez que vous pouvez augmenter votre superstar et que lui mettre des forces de finisher, emplacement de signature, emplacement de finisher, tone momentum, et ici, vous avez des power-up. Par exemple, si je veux avoir la possibilité de attaque tremplin, hop, je l'ai acheté. Maintenant, je vais pouvoir logiquement sauter via les cordes, etc. On va tester tout ça si c'est possible. Pareil, compétences passives, par exemple, bonus de momentum, bonus d'attaque avec environnement, bonus de dégagement de tombée, etc. Donc, je pense que je vais sélectionner quelques petits trucs en off pour pas trop vous saouler et prendre les choses qui me vont par rapport à mon style de combat. C'est le moment de faire un entraînement intense. Celui-ci, on ne l'a jamais vu pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Placer les mains à plus d'une largeur d'épaule et poser à plat. Allez, inspirez en baissant. Inspirez en baissant. Oh oh. Oh, je me suis froissé, un truc. Il faut que je trouve un hôpital avant le Dynamite. Ah, d'accord. Il s'est blessé. Mais non. Je me suis dit un truc intense, tranquille. Eh ben non, avoir notre superstar s'est blessé. Espérons pouvoir trouver un médecin pour nous soigner. Parce que sinon, ça va être très très compliqué. Et voilà, après le traitement spécial, centre médical, c'est l'entrée. Waouh, je me sens en pleine forme. Comme si je pouvais traverser 3 murs en briques en courant, puis 5 murs en bois. D'accord. En fait, je pensais qu'on allait vraiment voir un médecin, qu'il allait nous parler, nous dire ce qu'il fallait faire, pas faire. Non, en fait, on va juste quelque part, on récupère nos points, et puis c'est tout. Cheese and thank you, le restaurant à Philadelphie. Ah, franchement, j'ai la dalle. Voici votre Philly cheese stick. Steak, ouais, cheese stick. Un classique gastronomique de Philadelphie depuis les années 30. C'est le plus bestial de tous les sandwichs, dégoulinant et plein de viande. Les propriétaires d'un stand de hot dog ont expérimenté un nouveau sandwich qui a eu un succès dépassant leurs rêves les plus fous. L'invention du fromage liquide dans les années 50 a beaucoup aidé aussi. Pas d'appétit. Eh bien, merci, hein, on tape dedans, y a pas de souci. Et là, j'ai qu'une hâte. De voir, ah oui, les fameux sandwichs, les Phillies, comme on dit. Je l'ai déjà goûté une fois, c'est délicieux. En gros, c'est comme un kebab, sauf que c'est fait d'une façon différente. Mais franchement, c'est délicieux. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Même limite, tu peux faire une version végétarienne, tu peux faire une version avec du bœuf, du poulet, du veau. Tu mets ce que tu veux dedans, et ça, c'est validé à 200%. MJF, t'es là tout seul, sans soutien, sans garde du corps, ça va? Même mes associés me tapent sur les nerfs parfois. Alors je parle là où aucun autre catcheur qui se respecte voudrait venir manger. Et ta présence me donne raison. Quelque chose me dit que les gens avec qui tu manges le font en serrant les poings et les dents. Et pas parce qu'ils serrent leur couvert ou qu'ils mâchent leur nourriture. C'est ça. Je te souhaite une belle vie solitaire et un regarde. Allez, ciao. C'est juste les oignons grillés. Ah oui, parce qu'en fait il pue de la gueule, d'accord. Je pensais que c'était parce qu'il m'aimait pas. En fait, non, c'est pas de ma faute. Regarde, on est tout triste à cause de lui. Vous me connaissez. Obligé de faire un mini-jeu. Lancer de bombe. Ah, ça ne plaît pas du tout. Elpig, tu viens jouer avec nous en mode pitié. Là, on joue au lancer de bombe. Trouver des bombes et lancer-les sur les tonneaux, sur le ring. Quand il y a de la destruction, c'est ça qui est bon. Des bombes sous le ring, là, maintenant. Et quand j'en ai besoin en cours de match, D'accord. On va tester. Jeter des bombes de propane, dans le ring. Bah vas-y. Hâte de voir ce que ça peut donner. Intéressant. Ah oui, d'accord, il faut péter les barils. C'est pas uniquement tu prends. Par contre. Olé. Ah mais. Oust. Laissez-moi. Par contre. Faut bien diriger parce que. Il lâche n'importe comment. Ouais, c'est bon là. Ouais. Calme-toi. Ça a l'air hyper simple, mais ça ne l'est pas du tout, je trouve. Voilà, c'est bien joué.
Entendez bien. Pour l'instant, on se débrouille. Ah mais celui-là il est pas terrible. Celui-là il est bien qu'il envoie loin. J'ai l'impression d'avoir tout écoulé. Oh oui on est devant. On a gagné. Ouais. C'est tellement rare qu'on gagne des mini-jeux. Bah cette fois-ci, tout faire péter, ça me connaît. Attendez, LPK a gagné. Il s'est passé quoi au juste? C'est juste que je suis le meilleur. Regardez-moi ce titre. Magnifique. À la prochaine les amis. Ça arrive à tout le monde d'avoir un coup de bol. Mais là il va falloir allonger des SK. Bon bref, de toute façon, SK ça veut dire oui, voilà, ça on l'a déjà vu. Donc ils vont répéter la même chose quand ils vont perdre. Moi en tout cas, on a gagné plus 1000 et plus 1000. Ça c'est excellent. LP qui arrive sur le ring, historique de la carrière. 3 victoires, 2 défaites. C'est vrai que c'est pas très glorieux. Mais bon, en fait dès qu'on est en 1 contre 1, on est chaud. Par contre, dès qu'on est à plus de 1 contre 1, 2 contre 2, 1 contre 2, casino, tout ça, c'est pas évident. Et là, Warlow, accompagné de MJF. Donc, est-ce qu'il est uniquement accompagné en mode il nous regarde ou pas? C'est ce qu'on va voir. Par contre, c'est moi ou je l'ai tapé et genre ça lui fait rien du tout. En même temps, c'est vrai que c'est une masse. Mais quand tu me vois, moi, une masse aussi, non? Respecte-moi un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez faire la carrière avec des superstars différentes. Et que là, j'ai fait avec ma superstar. Mais. D'après ce que j'ai compris, si vous le faites avec, par exemple, je sais pas, CM Punk, MJF ou autre, bah vous aurez des petits scénarios différents. Ou si vous faites la superstar féminine, bah c'est pareil. Donc ça peut être pas mal de faire ça. Alors, non, tu vas pas nous attraper. Attention ! Olé ! Par contre, MJF, oust, s'il te plaît. Je te sens venir. Je sais pas pourquoi. Ah, maintenant il peut prendre des dégâts. Ça, c'est bien. On a aussi. J'ai pris l'aptitude de pouvoir monter, vous voyez. Ah, bah par contre là. de monter sur les rings plus facilement. Et plus rapidement. Maintenant il va monter plus vite, que j'ai remarqué. Il le faisait pas assez vite. Ça me stressait un petit peu. Bah alors. Ça s'enchaîne un petit peu mal quand il court, tout ça. Je suis un peu déçu, mais j'ai du mal à m'habituer. Et ça, c'est qu'une habitude que j'ai vu des gens jouer, mais vraiment très très bien. Donc c'est, le problème vient vraiment de moi. Alors, j'ai essayé de bloquer son attaque. Il a dit... Quoi, tu veux bloquer quoi? Et au secours! Au secours! Non! Non! Aïe aïe, cassage de dos. Ça, il faut qu'on gagne à tout prix. On peut pas perdre. Là... Non, non. Bon, on s'est fait mal à la tête. C'est déjà fait une blessure. Pas une deuxième, s'il vous plaît. Tout sauf une deuxième. Vas-y, viens là. Petit enchaînement. On va attaquer les jambes si on peut. Ah, bon. Il a peut-être pas envie. Et quand la superstar n'a pas envie, eh bien on l'écoute. Attention! Oh là là, magnifique reprise de volée. Voilà, mange un peu. Ça se passe bien pour l'instant. J'ai envie de dire que ça se passe très très bien. Mais j'ai peur quand même du petit loustique là. On continue. Là j'avoue, monsieur l'arbitre, ça va? Vous ennuyez pas trop? Allez, on y va. Non, non, non. On se laisse pas faire. Par contre, le momentum met beaucoup de temps à arriver. Non, non. Voilà, on reste appuyé. On met de la puissance. Je vais le mettre au coin. J'ai envie de le punir un peu. Non, non, c'est bon. Ah mais voilà, t'as mis trop de temps. Tu vois? Tu vois ce que c'est quand tu mets du temps? Arrête un peu. Let's go. On y va. Troisième corde. Troisième corde. Descente du coude. On fait les pompes parce qu'on le vaut bien. Non, non, je t'en supplie. Je t'en supplie. Esquive, fais quelque chose. Enlève-toi.
le finisher qui est passé. On peut même tenter le tomber, et soyons fous. Des fois, faut pas perdre de temps. L'arbitre. What? En quoi ça rebreak ça? Alors, peut-être que MJF est intervenu, ça je dis pas. Mais de dire rebreak. Ah, il a mis une arme. Non, mais en fait, il veut qu'il y ait une disqualification, MJF. Il a peur. Il a peur, et moi je vais lui prouver une chose, c'est qu'il a raison d'avoir peur. Olé. Par contre, des fois, je veux pas faire les pompes, je lui dis de faire un autre choix. Et il le fait pas. Allez, le spécial, ça nous gagne. Oh, magnifique, ça. On peut le relever, et on va le finir avec ce sublime finisher. Logiquement, il va rien pouvoir faire. Même si MJF va vouloir casser le match, je ne le permets pas. Et de 1, et 2, et voilà notre quatrième victoire nette et sans bavure. Quelque part, au-dessus de la Virginie occidentale. C'est mieux qu'en seconde classe, pas vrai? Ah ouais, je sais toujours pas pourquoi tu m'as invité. Ray semble bien t'aimer, ce qui n'est pas mon cas. Penta, il se contente de crier beaucoup. T'as encore quelque chose à nous prouver à tous. Quelque chose à prouver? Tu peux faire équipe avec n'importe lequel d'entre nous dans Dynamite. On verra si t'es vraiment digne de rejoindre Death Triangle. Ah, donc j'ai le choix. Ray Phoenix, Penta ou Pac. Moi j'avoue Pac, j'adore. Mais j'ai envie de choisir Ray Phoenix. Parce que j'ai envie de choisir Ray Phoenix. Voilà, c'est mon choix. Ray est intervenu. Je serais content de faire officiellement équipe avec lui. Je lui dirais. Mais t'as intérêt à être rapide. Si tu veux suivre son rythme. Bah, je pense qu'on peut très bien s'allier. Moi qui suis un peu une brute assez lente. Lui la rapidité. On ferait une très très bonne équipe. CM Punk, qu'est-ce que tu fais là? La même chose que toi, Elpig. Je révise du Johnny Cash. J'aime beaucoup ton boulot à AEW, au fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça un boulot. Je brutalise des gens contre un gros chèque. En fait, j'aimerais que tu sois mon adversaire pour mes débuts à AEW Rampage. T'es chaud pour affronter le meilleur du monde? Bah bien sûr que oui. Qui va dire non? Oh, c'est bizarre. Tu me connais, ça va être ton premier et ton dernier match à AEW. Ok, c'est réservé. CM Punk contre Elpig à Rampage, on se voit là-bas. Eh ben, voilà qui est fait. Mais vous me connaissez, avant d'aller à Rampage, il faut qu'on prenne des forces, parce qu'on était qu'à 50 sur 100. Je suis affamé, bah oui, je me doute. Et voilà, un bon gros plat de barbecue de Nashville. J'ai trop hâte. On aime le cochon ici à Nashville. On fait mariner la viande avec beaucoup d'ail et de paprika, et on cuit tout ça dans un bon foyer. Bonne app. Ah, du coup là, je mange du cochon en fait. Et le pic qui mange du cochon. Je veux bien qu'on nous propose au début du jeu, ouais, vous voulez être végétarien ou pas, mais j'aurais voulu qu'on me propose, est-ce que je vais manger du cochon? On l'a récupéré 60. Et c'est quoi du coup? Ouais, c'est les ribs, les côtes de porc, on peut appeler ça comme ça, avec des haricots, je crois que c'est du chou, peut-être. Ouais, ok. Et leur sauce, c'est de la sauce bien sucrée ou barbecue. Oh là là. CM Punk, the best in the world, pour son premier combat à AEW, Fight Forever, il affronte Elpig. Moi je vous le dis, oula, faut faire gaffe, à voir, il aime bien taper les esquives, bah nous on va lui montrer, on sait contrer, oula, c'est comme dans les vrais combats justement. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est chelou ce qu'il a fait. Ça va, mon petit Elpig? Il y a des problèmes, faut le dire. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Voilà. C'est chaud. Est-ce qu'on a bien fait d'accepter? Parce qu'après, on n'aura pas moyen de récupérer, justement. Ah, mais par contre, touche. Qu'est-ce que tu fais? Il touche pas sa cible, le fou. Olé. Et là, tu mets un gros chassé, voilà. Bien joué. Ça, c'est très très bien. Par contre, j'ai mis plusieurs prises au sol.
Et bizarrement, il fait toujours la même. Pourtant, j'ai bien fait une liste de coups particulière. J'ai pris beaucoup de temps pour choisir les coups qu'il fallait. Et là, il veut pas. Bon, c'est pas grave. On fera avec. Bien. Oh, j'ai essayé de l'attraper, mais il va pas assez vite. Bien joué. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut. Vas-y, encore une fois. Il l'a mérité. Cette fois-ci. Ouais. C'est pas trop ce que je... Par contre, j'avais fait en sorte qu'il puisse sauter au niveau de la corde, mais... Out. C'est un punk le fou in the world, tu veux dire, ouais. T'as joué, ça. Casse-lui le dos, t'as raison. Non, ne prends rien. Ne prends pas. Non. Merci. Qu'est-ce qu'il lui a pris de prendre des objets? Pas de disqualification ici. Alors, on remonte sur le ring, tranquillement. Arrête de bouger. Voilà, on s'occupe du crâne. On peut essayer de le blesser. Ici. Et aussi, un truc que j'ai pas réussi à bien voir, c'est au niveau de... Comment retourner la superstar? Je sais la relever, je sais faire pas mal de choses, mais pour la relever, beaucoup de mal. Bon, là, on va le terminer. Hein. Je vous le dis. On va pas se mentir. Ne perdons pas de temps. La vie, c'est de l'argent. Ah, par contre, on a plus le finisher. Bah, attends, on va essayer de l'avoir à nouveau. T'inquiète. Je m'occupe de toi. Et un, non. Oh, l'esquive. Oh, magnifique. Je pense qu'on arrive derrière via l'esquive. Ouais, j'ai... Quand c'est pour provoquer, il fait la même, hein. Il me renchèvre. Mais moi aussi. Oh, ce ralenti. Ce ralenti. Mais genre, tout le monde dit CM Punk. De quoi CM Punk? C'est LP ici. C'est moi, votre futur champion. Regardez bien. Et un. Et deux. Et trois. C'est fini. AEW Rampage. C'est moi le king. Je pensais pas. Je ne sais pas comment. Ce qui est le plus incroyable. Que CM Punk ait fait ses débuts dans Rampage ou que LP l'ait vaincu. This is wild, man! We will hear
From CM Punk, the newest addition to All Elite Wrestling, in just 1 minute and 30 seconds, you've waited this long to hear from CM Punk. You only have to wait 90 seconds more. CM Punk is in AEW. So I look at it like this. August 13th, 2005, I left professional wrestling. August 20th, 2021. I'm back. Et bien ça, j'étais pas au courant que des fois, si on faisait des combats alternatifs avec des rencontres qu'on fait dans le jeu, on aurait ces petits moments historiques IRL de ce qui s'est passé. C'est trop trop bien. Je vais vous les laisser, j'espère que YouTube ne me causera pas trop de soucis avec les droits d'auteur, tout ça. Et franchement, ça donne un vrai plus. Ça fait un peu penser au mode showcase qu'on peut avoir sur W2K. Et moi, je valide à 200%. Comme ça, ça rappelle des très bons, très très bons souvenirs même. Mais cette fois-ci, on doit aller à Dynamite. Je sais pas qui on va affronter d'ailleurs. Ah si, tag team, on va être avec Ray Phoenix. Mais je sais pas qui est-ce qu'on va affronter. Peut-être une nouvelle fois, Wardlow et notre ami, le bon vieux MJF. Eh bien même pas. On affronte le cauchemar américain Cody Rhodes. Alors, t'en diront, mais pourquoi il est sur le jeu et pourquoi, tout simplement, le développement de ce All Elite Wrestling, Fight Forever, vous le faites comme vous voulez, mais a été fait bien avant la signature à WWE. Comme des fois, on pouvait avoir des superstars qu'on voyait sur 2K, mais ne catchant plus, par exemple, c'était pour le 22, donc il y avait Jeff Hardy, par exemple. Il était plus là, il y avait Braun Strowman, etc. etc. Après, tag team, moi j'aime bien, c'est juste, je suis un peu déçu qu'on puisse pas choisir la superstar qu'on désire. Et que par exemple, si je fais le changement avec Ray Phoenix, moi j'aurais aimé pouvoir diriger Ray Phoenix. Et là, on peut pas faire changement par équipe, non? Ah, si. Il a quand même été fait, je vais pas sélectionner. Oh! Et. Oh là là, Dustin! Très bien. Ah, mais tu. Et les deux frères là. Ouh! Les PNL guys. Ah, c'est moi qui le joue maintenant? Attendez. Non, c'est pas moi qui le joue. Moi je suis autre part, mais on me voit pas. C'est assez particulier. Ah, je suis... C'est moi ou je suis bugué? Ouais, j'ai l'impression que je suis bugué. En plus, on peut pas faire. Attendez, y'a pas moyen de recommencer le match. Hein, ouais. Je voulais juste comme vérifier. Ah, maintenant c'est bon. Maintenant que j'ai. Voilà. Ça y est. Heureusement que j'ai fait start. Ah, mais vous avez. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est trop chelou. Il n'y a pas moyen de demander le... Voilà. Allez hop, laissez-moi le travail. Je m'occupe de tout le monde. Y a pas de souci, vous inquiétez pas. Bibi est là. Ah, c'est qui la personne légale là sur le ring? Je tape peut-être Dustin, mais c'était pas lui qui. On va faire gaffe. Voilà, j'ai fait une bonne esquive. On y va. Attention! Bien joué! Et on va le finir très proprement. Bien là. Attention! Attaque puissante! On le relève. Faut surtout pas perdre de temps. Donc. Il aura plus son momentum. Bah, quand c'est comme ça, tu te dis, bah, quoi faire d'autre? Let's go! Bah, je pense qu'on peut tenter de tomber, hein. On n'est pas là pour perdre du temps. Si on peut gagner, eh bien tant mieux. Et un, et deux. Et voilà, c'est bon, on a compris le fonctionnement du jeu. Il est pour nous.
Eh ouais, vous vous posez des questions, les gars. Et voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les membres du Death Triangle. La semaine dernière, Ray Phoenix est intervenu pour aider El Pig. Cette semaine, Death Triangle est en train de carrément attaquer Cody et Dustin Rhodes. C'est écœurant. Pas d'écœurance, c'est la famille. Excuse-moi, El Pig, tu connais la Nouvelle-Orléans? Ouais, j'y étais pas mal de fois, et toi? Non, j'ai vraiment envie d'y faire un tour. Mais l'entraînement, bah, c'est plus important. J'espère que j'aurai le temps d'explorer le coin après. Ah d'accord. Bah, je pensais qu'on allait avoir la possibilité de lui proposer de visiter ensemble. Et bah non. Louisiana, restaurant à la Nouvelle-Orléans. Tu es doué peut-être. Membre potentiel de Death Triangle, peut-être. Je ne saurais pas avant de t'avoir affronté. Ok, vous deux, voici le meilleur jambalaya de toute la Nouvelle-Orléans. Merci. Est-ce que je peux avoir une grosse bouteille pleine de sauce piquante, s'il vous plaît? Pas de soucis, trésor. Je vois que tu aimes qu'il y ait du piquant. Je teste mes limites et j'aimerais tester les tiennes à Rampage en famille. On se bat. Ok, Penta. C'est d'accord. Du moment qu'on se prenne en photo avant que je t'arrange le portrait, le masque. Le chef a jeté dans la marmite tout ce qui lui passait par la main. La famille ajoutait qu'amour et pour quel résultat? J'avoue. Moi, j'aime bien les crevettes, donc ça donne envie. Notre photo? Attendez, on devait faire une photo, lui et moi, là. On va m'arnaquer? Ah, voilà. Bah oui. La jolie photo, moi j'aime bien. C'est validé. On va rencontrer les fans, mardi gras. Vous pouvez rencontrer El Pig. El Pig, est-ce que tu veux me suivre sur Twitter? Est-ce que le paysan demande au dragon s'il peut lui prendre une part de son trésor? Seulement s'il souhaite servir de barbecue. À votre tour. Pourquoi te lancer dans le catch? Pour frapper des gens, également. Ok. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu plus de questions-réponses, tu vois. Ou qu'on ait des questions et qu'on ait genre 3 ou 4 réponses et on choisit dans quelle voie nous répondre. Gentil, moyen, enfin moyen et méchant. Parce que là, on n'a pas forcément eu le choix, mais bon, c'est pas grave. Il nous l'a demandé, eh bien, le voici, le combat à Rampage contre Penta. Bah, j'espère qu'on aura un match divertissant. Moi, je vais tout faire pour le... Oh, ok. Ah ouais, ça c'est un bonus d'ailleurs. De pouvoir commencer avec la sonne cloche. La cloche sonne plutôt. c'est un pouvoir. Enfin, je l'ai vu qu'après. Eh, mais je vais te calmer. Mais. Je veux dire, il est pas invisible quand même. Je devrais pas devoir passer à travers. Allez, viens là. Non, viens. C'est quoi ce. Voilà. Oh, quel enchaînement magnifique. Reviens là. On va tester autre chose. Ouh. Alors, ça fait mal, ça. Là, on y va. On continue. Mange ma semelle. Eh ouais. Quel goût est là? Est-ce qu'elle est aussi bon que le jambalaya? Réponds. Ah, je me fais mon petit RP. Attention. Oh là là. De toute beauté. Il y a là que je t'attrape. Oh, joli contre, il est passé. Derrière moi, malheureusement pour lui, ça ne suffira pas. Ce finisher est... Ah, vous savez quoi, hein? Après des notes dans le jeu... Ah, le rope break. J'ai pas vu arriver. Tout le monde est pour Penta. Alors que moi, je suis là, vous avez vu. Je fais le beau jeu. Je le mange, vous voyez. J'ai un petit peu de The Walking Dead. Et ouais, on a des nouveaux moves. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, Cody, c'est la récalade. Avec ça, je pense... Oh, on va quand même faire le finisher. Pour la beauté. La beauté du geste. Ah bah, but, je vais pas activer le finisher. Bon, on lui fera le spécial. Le spécial. J'aime bien répéter... Quand c'est possible. Oula. Et c'est fini pour lui. Je suis désolé pour toi. Bah c'est bon. Je pourrais encore l'assommer plus. Hein. Après le souci c'est ça. C'est que en 1 contre 1, le mode normal, bon, on va dire qu'on roule dessus. Par contre dès que c'est du 2 contre 2 ou plus, le jeu devient compliqué. Donc je vais laisser en normal pour cette première expérience. Mais peut-être que dans mon coin je ferai un road to elite peut-être féminin, tout simplement. Ou avec Jungle Boy, ou avec une superstar que j'apprécie particulièrement.
Et là, je mettrai en difficile et avec le temps, j'aurai appris à bien jouer au jeu. J'adore toujours venir à la Nouvelle-Orléans. L'after va être génialissime. Émission d'AEW Dynamite après la page de publicité. Destry Young est entré dans le ring. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais je doute qu'on doive attendre longtemps avant de le découvrir. Nous n'avions jamais agrandi notre nombre, mais récemment, nous avons préparé quelqu'un à rejoindre le Death Triangle. El Pig, tu peux venir ! Généralement, ces trois-là obtiennent ce qu'ils veulent. Vous m'avez appelé, messieurs ? Alors, qu'as-tu choisi ? Tu es avec nous ou contre nous ? Bah, j'avoue, moi j'aimerais bien les rejoindre. Après, je sais très bien que dire non, c'est sans doute avoir un match handicap et ils vont m'en faire baver. Et moi j'aime bien leur groupe, donc pourquoi pas les rejoindre. Mais là typiquement, c'est ce que je vous ai dit auparavant, peut-être refaire une deuxième carrière, soit en live, soit en vidéo si vous voulez, ou dans mon coin, pour voir si ce qui se passe si je dis non. Mais là je vais dire oui. Death Triangle est une faction redoutable, c'est un honneur d'y être invité, c'est un honneur de me tenir à vos côtés. Et pourtant, je ne te tiens pas le côté, si, je te tiens tout là-haut. Tu nous prends de haut, tu te crois meilleur que nous ? Non, je dis juste que... El Pig, nous retirons notre invitation. Tu n'es pas un partenaire, tu es notre cible. El Pig vient de passer de recrue pour Death Triangle à leur ennemi numéro 1. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout va mal, les amis. En plus, on va affronter Luchasaurus. Ça va être très 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 difficile. Un grand gaillard comme lui. Mais bon, ça devrait le faire. On a la force pour. Et, ah, j'avoue, je me doutais pas que, qu'en acceptant, finalement, ça allait être non, quoi qu'il arrive. Ça, j'ai bien aimé, tu vois, c'est une petite surprise. Je m'y attendais pas. Voilà, calme-toi, s'il te plaît. Dans les enchaînements, c'est un jeu de va-et-vient entre vous et l'adversaire. Appuyez sur l'un pour effectuer une attaque, de façon de deviner... D'accord, c'est du junken, quoi. Tiens. Oh là. Ça fait mal, hein. Oh, la demi de la dernière. Ah, bah ça, j'aime bien. Ça fait penser un petit peu au début, c'était dans tout, dans les anciens Touquets, on pouvait, dès le début, faire ça, là. On devait deviner. Très très bonne chose. Je valide. Tiens. Par contre, c'est dommage qu'il le fait tomber quand il fait cet enchaînement-là. J'aurais aimé. Il n'est pas besoin. Oh là là. Oh, je leur fais trop mal. Mais c'est pas grave. Après, là, c'est juste pour suivre l'histoire. Comme ça, dès qu'on aura fini cette carrière, bah on verra ce qu'on va faire. De toute façon, ça dépendra de ce que vous me proposez. Aïe. Je me suis fait éclater. Allez, on se relève, on se relève, on se relève. Non mais, toujours en plus ça bug. Au même endroit, au même moment. Let's go. On a peur de personne, allez. Ah, let's go, El Pig. Quelle puissance. Bon, j'aurais bien voulu qu'il puisse... On avait ce coup-là, normalement. Il nous l'avait donné tout à l'heure. Vas-y. T'es prêt ? T'es prêt ? Oh là ! Oh, le magnifique contre ! On s'y est pas attendu à celui-là. T'as beau lever les mains. Jeu de main, jeu de vilain. Je vais essayer quelque chose. Oh, le coup de genou. Vous l'avez pas très bien vu. C'était censuré. Moi je l'ai vu plutôt bien apprécier. Allez. Voilà. On va finir avec un finisher de toute beauté. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, 0. On peut le... Ouais, c'est fini. Ouais, on mérite. Ah, merci les gars, merci, merci. Si vous pensez qu'on mérite, ça me fait plaisir. Bah, je vais vouloir voir s'il allait faire autre chose. Et bah non. Ça sert à rien, là il est complètement KO. Et à la 1, à la 2, et à la 3, c'est la victoire. Bravo à lui. Qu'est-ce qu'on va voir comme cinématique juste après ? Oh là là, que des... C'est bizarre quand même, hein. PV A+, temps de match A+, coup et prise A+, évaluation du match C+.
à n'y rien comprendre. Malgré la baston avec des triangles, plutôt, Elpig n'a pas perdu de vue son but et a gagné son match. Oh non ! Voilà l'attaque ! Destrien n'a pas mis longtemps, exercice de juste représailles. Ce groupe est tellement redoutable et dangereux. Nous sommes arrivés à Seattle, et c'est justement l'endroit où doit se passer le pay-per-view, mais je pense qu'on a fait suffisamment de combats, etc. Pour cet épisode numéro 3, on se retrouve pour l'épisode numéro 4, comme ça sera la semaine numéro 4 à Seattle, pour Full Gear. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à être au rendez-vous. Logiquement, c'est tous les jours à 19h30. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut!